Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT. Voici les principales informations de cette journée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi à Alger le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Le chef de la diplomatie française est arrivé ce matin à Alger. Jean-Yves Le Drian a indiqué que sa visite en Algérie a pour objectif de renouer une relation de confiance marquée par le respect de la souveraineté de chacun, exprimant son souhait de travailler à lever les blocages et les malentendus qui peuvent exister entre les deux pays, précisant qu'au cours des échanges, les deux parties ont convenu de reprendre certains axes de la coopération bilatérale. L'importation des vaches laitières, ouverte début janvier 2022 par des opérateurs du domaine, sera soumise à des conditions fixes et précises. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural lors d'une rencontre mardi à Al-Bayad avec les représentants de différentes corporations agricoles. Mohamed Abdelhafid Henni a mis l'accent sur la nécessité de développer la filière d'élevage des vaches laitières, d'encourager et d'accompagner les éleveurs à fournir des matières consommables. Le ministre a également insisté sur le renforcement des laiteries avec du lait frais ainsi que réduire la facture d'importation du lait en poudre de l'étranger, appelant les jeunes à accéder au domaine de l'investissement agricole. Le PDG de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, ENTMV, Issaat Kamel, a indiqué ce mercredi à Alger que les prix des billets appliqués avant la crise ont été maintenus. Il a dans ce cadre donné l'exemple du prix du billet Alger-Marseille en aller-retour avec voiture maintenu à près de 56 000 dinars en plus de l'application de tarifs promotionnels durant l'hiver. L'ENTMV a repris son activité de transport maritime des voyageurs depuis le 21 octobre dernier vers l'Espagne et depuis le 1er novembre vers Marseille. Cette reprise a été tout de même limitée à 2 traversées par semaine. Pour les billets achetés avant la crise sanitaire, il a expliqué qu'ils restent valables jusqu'à leur consommation et que même le remboursement des billets était possible. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront à partir de ce mercredi jusqu'à demain jeudi plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays, indique un bulletin météorologique spécial. Placé en vigilance orange, les pluies affecteront les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumeldès, Buéa et Médéa, où les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 30 mm. Les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Talaf, Borj Boualélidj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Soukhara sont également concernés par ces pluies. L'équipe nationale de football affrontera la Gambie le samedi 1er janvier prochain à Doha, au Qatar, en marge du stage pré-compétitif prévu à partir du 27 décembre en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 au Cameroun, indique ce mercredi la Fédération algérienne. Un deuxième et dernier match de préparation sera au menu des champions d'Afrique le mercredi 5 janvier à Doha face à un adversaire qui reste à déterminer. La première étape de préparation des Verts sera entamée durant la troisième semaine du mois de décembre au Centre Technique National de Sidi Moussa. C'est la fin de ce journal, merci pour votre attention, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.